Un mode de comportement, chers amis, le moi-même, avers, le nous t'a grandi, le nous a levé la caille, nous levé, nous jeunes parents, nous jeunes mamans, nous, conseil de comportement, conseil de bagaille que vous dit, conseil de bagaille que vous fait, par exemple, le monde vient la caille, gon façon que vous recevoir moun, ou songez en Haïti longtemps, le monde vient la caille, l'on a servi moun en yon de l'eau, ou supposé, ou pas qu'à juste pour un verre, poter le bali, ou supposé pour un secoupe, pour mettre en bas, et puis l'on vient servir, et pour, ou mettre ce couple-là sous lit pour servir mon nom de loi. Tout ça fait partie de comportement que nous levons. On sait de bagailles, on sait de paroles que nous jouons par nous, là, nous levons. Yo dit que nous-mêmes, nous vîmes héritiers. Amen. Nous vîmes héritiers, genre de bagailles, ça, yo. C'est mode de comportement. Par exemple, dans la culture, nous, là, nous jouons musique, de façon que nous jouons musique, de façon que nous jouons guitare, nous, de son pas nous, que nous fait. Par exemple, aussi, dans la culture, nous, gagnons un. Les nous a fait manger, mode de comportement. Les Haïtiens a fait manger, conseil de éléments que nous mettons dans manger pour manger à une saveur. Par exemple, le Haïtien a fait manger, il dit comme ça, faut mettre un bon petit piment là-dedans pour faire le chaud. Vous comprenez moi? Faut mettre, faut bal bon épice pour le bien épicé et puis pour le gagner bon goût. Vous comprenez moi? Faut mettre petit magui, petit bagay. Tout ça, c'est un série de bagay qui fait partir de la culture haïtienne. Vous comprenez? Et chaque culture en particulier, y a gagné genre de façon que eux-mêmes éléments que eux mettaient qui fait partie de culture yo. C'est la totalité des modes de comportement, de croyance, de croyance. Chers amis, par exemple, la religion ou le christianisme dans certaines cultures, li très très fort. Aussi bien dans l'autre culture, des côtés que la religion est presque absente. Par exemple, ici aux États-Unis, la religion ou le christianisme est très populaire, est très fort, est très ouvert. Mais si tu as comparé les États-Unis avec la Chine, c'est quelque chose quand même différent, n'est-ce pas? Parce que jusqu'à maintenant, il n'est pas assez ouvert pour les gens prêcher l'évangile. Les gens toujours à cacher, malgré quelques changements qui fait, mais pas vraiment aussi bien que moi-même avec ici aux États-Unis. C'est un mode de comportement, aussi bien de croyance. Gagne un côté tout que la religion, le christianisme, c'est un mélange de religion avec d'autres religions, traditionnelles. C'est un mariage que vous voyez. Par exemple, dans le cas de notre pays, Haïti, côté que le christianisme, c'est un mélange de religions traditionnelles avec le catholicisme, n'est-ce pas? Vous connaissez ça, n'est-ce pas? C'est une totalité des modes de comportement, de croyance et d'idéaux reçus. D'idéaux, cela veut dire bagaille que moi-même avons nous aspiré. Idéaux, bagaille que moi-même avons nous aspiré de nous-mêmes. Par exemple, un idéal, c'est un bagaille que nous, moi-même avons nous t'arrêmer, nous t'arrêmer, vine gagner, nous t'arrêmer, vine posséder demain. C'est ça, un idéal, bagaille que nous aspiré avec nous. Eh bien, nous connaissons par exemple de la culture haïtienne, la majorité des parents haïtiens, ils ont un idéal, n'est-ce pas? Je t'ai aimé là que petit tu gradué, l'école, ce soit où tu as un docteur, n'est-ce pas? Ce soit où tu as un ingénieur, ou bien où tu as un avocat. Ça fait partir de la culture haïtienne. On peut parler là, on va dire, ah, mais t'as aimé petit, moi, t'as aimé son docteur, même, facile, mais il investit tout ça le gagne dans petit lit. C'est quand même une croyance, n'est-ce pas? C'est une croyance. Peut-être qu'il y a d'autres, nationalités, qu'il y a d'autres cultures. Peut-être que lui-même, il est peut-être pas, il est pas aussi efforcé. Depuis petit mon a 18 ans, ou supposé dehors, à dégager, que on a dans collège, qu'on parle dans collège, ou pour tout. Alors que parmi les Haïtiens, dans la culture haïtienne, même leur gagne 25 ans, ou gagne 30 ans, ou gagne 40 ans, ou capable toujours être la caille maman, ou capable toujours être la caille papa. Et si vous aider, vous avez aidé, vous avez habillé, vous avez bon manger, vous avez supporté, vous avez voyé l'école. Mais ça fait partir d'une croyance. Ça fait partir de la culture haïtienne. Est-ce qu'on l'a avec? Gloire à Dieu. Nous là. Alors on nous dit que c'est la totalité des modes de comportement, de croyance, dit de reçu.
bagay que recevoir, bagay que recevoir de parents, de maman ou de papa, bagay que arrière parents ont été passé à grand-père, à papa et puis même ont passé à eux-mêmes. C'est bagay que recevoir des générations passées. En plus bagay que moi-même avait nous fait, en plus croyance que nous gagnons, comportement que nous gagnons, gens que nous vivons, ce sont des choses passées par nos arrière-parents. Et puis nous-mêmes, nous continuons, nous passons avec petite nous, avec petite petite nous. Donc cela veut dire, chers amis, ces modes de comportement nous permettent d'identifier un groupe social donné. Amen. Ces modes de comportement nous permettent d'identifier un groupe social donné. Tout ça, c'était exemple qui compliqué. Vous comprenez, c'était exactement compliqué. Qu'on y a, la définition la plus simple, lorsque nous parlons de la culture, par exemple, moi-même c'est haïtien, et nous avons parlé de la culture, m'a parlé de la culture haïtienne. Mais dans le cas de plusieurs de nous-mêmes qui l'a, qui c'est haïtien-américain, ou bien haïtiano-américain, nous avons parlé de la culture haïtiano-américaine, ou bien sous ces yon cubains, n'a parlé de la culture cubano-américaine. Amen. En réalité, qui ça la culturier? La culture, c'est toute bagaille qui permet nous identifier nous comme tel. Toute bagaille qui permet nous identifier nous étant qu'haïtien. Qui permet nous identifier au monde étant qu'américain, étant que cubain, étant que français ou canadien. N'est-ce pas? Tout ce qui m'identifie comme haïtien, comme colombien, comme cubain. C'est ça la définition la plus simple. C'est ça que lié. C'est toute bagaille qui permet pour identifier yon moun comme tel. Par exemple, qui ça qui fait partir de culture nous? Par exemple, manger que manger. Ça fait partir de la culture haïtienne ou de notre culture. Genre que ou habillé, conseil de façon habillé, des pouelles, ou dit ah, ça sont haïtiens. Sont pas même gardés même. Parfois, on paraît dans le window à regarder, on dit, ah, ça sont haïtiens. Vous comprenez? Parce que nous, non seulement nous avons accent, mais nous avons façon que nous comporter nous. Nous avons façon que nous habiller. Façon qu'on fait cheveux ou get away que sont haïtiens. Même l'autre, did your hair, you just have your hair did. Vous comprenez? Or you just have it done. On est capable d'identifier par façon qu'on fait cheveux, par rade qu'on mettait, par gens ou comporter ou par gens parler. Type de manger que nous manger, ça fait partir de la culture haïtienne. Genre que vous faites manger, on sait de éléments qu'on mettait dans manger. Par exemple, si on a parlé de manger qui fait partir de notre culture, si mon ami là qui t'a dit ah mon chem t'avle manger un griot. T'avle manger un griot alors que nous connaissons tout haïtien mais griot. Est-ce que la jambe vient dans tête moins pour me t'a dit maybe kitchen 305. Vous comprenez moi? Ou bien Outback. Ça m'a jamais venu dans la tête moi. Parce que je connais l'espace spécialité. Je connais ces haïtiens qui spécialité en griot. Spécialisé en griot, n'est-ce pas? Alors, si je parle avec un Américain, je me dis, man, I want to eat a filet mignon. Je me dis, on a chez madame, on a là chez madame l'autre bon la rue là. Parce que je connais chez madame son restaurant haïtien qui pas spécialisé dans filet mignon. Est-ce qu'on comprend ça, me veut dire là? Montre bagaille, élément qui fait partir de une culture, qui fait partir de culture de chaque monde. Bah, je me fais ça. Par exemple, musique. Si m'a passé dans un quartier, peut-être que m'pas connaît. Et puis pendant m'a passé, et puis m'tendais un beau device qui a frappé. M'pas connaît personne dans le quartier. Mais et puis m'tendais un device ça, premier sac vient dans tête moi. Ah, ça c'est la caillon haïtien qui l'a. Alors cependant, si que m'tendais un merengue. Ou bien salsa qui a joué, m'a besoin qu'on aime, m'a dit bon ça, lui-même, c'est soit un cubain, ou bien un portoricain, ou bien un, vous comprenez moi, et plus près la caillou, et là-bas, dominicain, n'est-ce pas? Alors, ces éléments-là nous permettent d'identifier un groupe de personnes bien déterminées. Ça, on mangeait. Façon habillée. Ou qu'on les femmes haïtiennes parfois, y a une façon que y a mari tête yo des poêles ou elles ça sont haïtiens. N'assemblée à la majorité c'est haïtien. Mais si t'as gagné un musulman qui chita là, y a un grand rat sous lui, mais là j'ai babli ou qu'est-ce qu'on est que c'est un musulman. Tous ces éléments font partir de la culture. Ils font partir de la culture.
Et tout bagage ça c'est ensemble de choses qui fait nous capables de parler de culture yon moun. Qui fait nous capables de parler de culture yon moun. Amen. Eh bien, chers amis, pendant que nous pourrons toucher, pendant que nous pourrons toucher d'autres cultures, nous pourrons toucher d'autres tribus, nous pourrons toucher d'autres peuples, d'autres langues et d'autres nations. Nous devons rappeler que pendant nous à faire ça, il faut gagner en tête parce qu'il va avoir des différences culturelles. À gagner des différences culturelles. Eh bien, et maintenant, quel doit, puisque à gagner des différences culturelles, quel doit avoir notre rapport, notre attitude par rapport à notre culture et celle des autres? Qui attitude que moi-même avais, nous devons gagner par rapport de notre culture et culture yon l'autre monde? Eh bien, premièrement, deux bagailles que je t'ai remédié sur ça, très court. Premièrement, nous avons besoin d'accepter culture yon l'autre monde. Si nous pouvons toucher d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres nations, premièrement, ça que nous avons besoin de faire, nous avons besoin pour nous accepter culture yon l'autre monde. Pour qui ça? Parce que c'est extrêmement, extrêmement important pour nous accepter yon l'autre monde. Eh bien, nous pouvons regarder exactement qui ça la Bible dit. Qui ça la Bible dit pour nous capables d'accepter yon l'autre monde? Eh bien, on nous tourne dans Romains 15, chapitre, verset 7. Romains 15, verset 7. La culture, premièrement, doit être acceptée. La culture doit être acceptée. Lydie, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Premièrement, il faut remarquer ici, accepter l'autre culture ou pas accepter-le pour peut-être pas, mais accepter-le pour la gloire de Dieu. C'est pas ça que le dit? Pour la gloire de Dieu, ou supposer accepter yon l'autre monde. Parce que, premièrement, c'est une commission pour nous aller faire de toutes les nations, des peuples, des tribus, de toutes langues, de toutes tribus, de toutes nations. Mais pour nous faire ça, premièrement, nous supposer que un cœur qui est capable d'accepter mon nom, quel que soit Jean lié. Amen. Quel que soit Jean lié. Eh bien, pour nous accepter yon l'autre monde, nous te dire que la culture, c'est tout ça qui identifie étant donc un haïtien, étant donc un cubain ou un américain, tout bagaille qui identifie, par exemple, manger que vous mangez, gens que vous habillez, gens vous parlez, distance que vous kembe, etc. Tout ça fait partir de la culture. Et si la culture, c'est ce qui nous permet d'identifier les autres, c'est ce qui vous permet de m'identifier, eh bien, chers amis, L'impossible pour t'accepter au monde sans pas accepter culture. Généralement parlant, l'est pas faisable. Ou pas capable de dire ou accepter sans pas accepter culture. Parce que culture, c'est tout ça qui identifie étant que personne que moi-même moyen. Étant qu'haïtien, tu dis m'accepter à Wall, mais ou pas accepter culture. Alors que culture, c'est ça que manger, c'est littérature, c'est langue que me parler, c'est gens m'habiller, son élément, son englobera de plusieurs bagailles qui fait moun que m'y a, alors que li ou pas dit que ou accepter, mais pas accepter culture. Amen. Li pas faisable, li pas capable, li pas bon. Donc cela veut dire, si nous avons parlé d'avoir une église multiculturelle, si nous pouvons toucher d'autres nations, si nous pouvons toucher d'autres races, si nous pouvons toucher d'autres peuples, eh bien, on a besoin d'accepter d'autres cultures, aussi d'autres moyens de faire, d'autres moyens de voir les choses, d'autres approches également. Donc cela veut dire faut que nous ayons un esprit qui est très, très, très ouvert pour nous capables d'accepter moun qui va sembler avec nous, moun qui va parler même langue avec nous, moun qui va la vie peut-être,
même avec nous, moi qui pas habillé même avec nous, pas manger même manger avec nous, pour nous capable accepter moun sa yo, nous supposer ouvrir esprit nous, si nous voulons yon l'église qui touche d'autres nations, d'autres peuples, d'autres tribus. Amen. Moi te dou ces deux points que m'ta prouvé avec dans attitude nous envers les autres. C'est premier point, hein, il faut accepter d'autres cultures. La culture aussi deuxièmement doit être valorisée. La culture doit être valorisée. Eh bien, on nous garde exactement qui ça la Bible dit pour comment nous capable valoriser culture dans l'autre monde. On nous aller dans Apocalypse 7 verset 9. Apocalypse 7, verset 9. Apocalypse 7, verset 9. On nous lit ensemble. Après cela, je regardais, on nous lit ensemble. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Continuez. Dans les mains. Amen. Il dit, après cela, je regardais, moi-même, nous connaissons l'histoire, ça déjà, Jean était ravi en esprit, lorsqu'il était dans l'île de Patmos. Et puis Jean gardait, il dit, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône. Il se tenait devant le trône. Chers amis, songez comme te dire que en culture yon moun, c'est toute bagaille qui permet ou capable d'identifier cette personne étant comme telle. Toute bagaille qui permet ou identifier yon moun comme haïtien, comme américain ou comme cubain ou comme d'autres tribus, d'autres peuples, d'autres nations. Cela veut dire Jean Gadé, même devant le trône dans le ciel, devant le roi, devant l'agneau, li ouè différentes nations, li ouè différentes tribus, li ouè différents peuples. Si Jean capable ouè différentes tribus, différents peuples, différentes nations, cela veut dire qu'il y a des traits, qu'il y a des éléments, qu'il y a des caractéristiques qui te permettent li pour le capable d'identifier peuple sa yo. Amen. Parce que me dire, c'est toute bagaille, toute trait, toute caractéristique qui permet ou identifier yon moun, de qui moun que lié, comme haïtien, comme américain. Eh bien, si Jean, même dans le ciel, même dans, devant le roi des rois, Jean gardé, li ouè tout peuple, li était capable d'identifier yo à cause de qui moun que yoye, c'est parce que te gagné des traits, parce que te gagné des éléments, parce que te gagné des caractéristiques qui te permettent pour te identifier yo. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, cela veut dire, même dans le ciel, il y a des éléments de la culture qui a existé même dans le ciel. Ça veut dire, moi, avant d'arriver dans le ciel, n'a besoin de quelques traits haïtiennes dans le ciel, qui n'ont culture nous, qui ne peuvent pas changer. Et plus tard, moi, pour le montrer que l'évangile rentrait, il n'est pas aboli la culture, mais il purifiait la culture. Amen. Il purifiait, il changeait. Conseil de bagailles, conseil de éléments qui pas fait, mon Dieu, plaisir. Et bien, là, l'évangile rentrait, il changeait, il purifiait. C'est ça, le fait, il rentrait dans nos mains. Il lavait nous. Moun que nous t'aimons, nous pas même moun encore. Les choses anciennes, ils ont passé. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les moyens rentrés, nous venons joindre Christ. Jésus purifie nous. Gloire à Dieu. Même dans le ciel, il y a des éléments de la culture qui a pu exister. Pas exister, pas inquiéter sur l'arrivée dans le ciel, et puis qu'on y a là, et puis pour nous adorer, pas adorer, et pour s'entendre un petit griot. Ou pour s'entendre un petit griot. Ah, Martin Daniel, can I take some? Quand même, ma petite bagaille, mais malheureusement, pas de griot dans le ciel. Hein? Pas de griot dans le ciel. Griot fait partir de notre culture. Par contre, moi qui est content des pasteurs G-Life,
Quand on le, on joue matin, on mène les gens à l'école, et puis pasteur dit, tu as fait un programme, et puis un programme de la santé, et puis tu as un nutritionniste qui était là dans le programme, et puis pasteur dit, il y a un suspense. Et puis, mais je me dis, ah, suspense, ça n'est pas dans la faveur du tout. Il n'est pas dans la faveur. Parce que jamais la parler à me dire pour attaquer Griot. Moi, elle parle attaquer Griot. Et puis, le pasteur dit tourner avec avec invité qui est dans le programme. Non? Et puis, il commence à attaquer Griot. Je me dis, ah, pasteur, on a fait ça. Parce que moi, je suis Griot, parfois. Je suis Griot. Chers amis, même dans le ciel, a gagné des caractéristiques culturelles qui a prêté ensemble avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on l'ensemble avec? Est-ce que la culture, premièrement, elle doit être acceptée. La culture doit être valorisée. Une meilleure façon que nous capables valoriser culture yon l'autre monde. Par exemple, sous travail, dans travail au côté que l'autre monde qui pas parler même langue avec, y a un exemple très simple, seulement ce qu'on va faire, seulement apprendre deux trois mots dans langue monde. Et l'on apprend deux trois mots dans l'autre maintenant, ou après grande différence que ça capable de faire. On doit arriver travail matin et puis moun sa qui y a l'air triste dans le visage li, moun sa qui figure mari pas content et pour paraître son espagnol, tant qu'on dit bonjour ou dit buenos dias. Ou dit buenos dias et puis on a moun sa et puis ça on doit changer journée parce que li wè que ou valoriser culture. Amen. Ou bay culture en pile valeur. En pile valeur. Ou bien, si sont italiens, ou comme on va dire, buongiorno. Ou comprenez moi, apprendre un mot dans la culture de l'autre monde, capable de faire de grands différences. Deuxièmement, et dernier point, moi déjà dit au constat que la culture doit être acceptée, la culture doit être valorisée. Mais maintenant, songez que nous vivons dans un monde côté que et dans un monde déchu côté que en pile bagaille qui a fait Satan lui-même il gagne mail là-dedans, il gagne contribution dans en pile bagaille noir qui a passé dans le monde dans certaines cultures dans le monde, c'est Satan qui a dirigé yo et conséquemment culture ça yo a besoin purifier. Amen. Il y a besoin de purifier. Ça mène nous à troisième et dernier point. Nous, la culture doit être purifiée. Premièrement, moi dis que la culture, attitude nous à travers une culture, nous supposons premièrement accepter culture de l'autre monde. Si nous pouvons toucher d'autres peuples, d'autres tribus, d'autres langues, d'autres nations. Deuxièmement, la culture doit être valorisée. Et moi, bon, exemple, meilleure façon capable de valoriser culture de l'autre monde, c'est apprendre quelques mots dans la langue monde ça et puis leur adresser dans l'anglais et puis le sali même la point que ou bay culture en pile valeur ou accepter et ou recevoir. Et finalement nous dit que la culture doit être purifiée. Est-ce que la culture doit être purifiée? Gloire à Dieu. L'évangile, comme on dit, l'évangile pas abolit culture. L'évangile rentré au lieu d'abolir votre culture, mais purifier culture. Amen. Les purifier culture. Parce que l'évangile que moi-même avait nous gagné, comme moi déjà montré, même dans le ciel, a gagné des traits, a gagné des caractéristiques, a gagné des éléments des éléments culturels que nous voyons dans le ciel. Donc cela veut dire que nous pas obligés, puisque la culture doit être purifiée, cela veut dire nous pas obligés embrasser tous les éléments qui n'ont une culture. Le fait qu'on pas embrasser tout élément qui dans une culture, pas veut dire ou pas de cette culture. Par exemple, le fait qu'on pas embrasser ou pas accepter tous les éléments, toutes les traits qui dans la culture haïtienne, ça pas veut dire que pas haïtien. Ça pas veut dire que pas haïtien. Souvent, nous tendez des monde qui dit comme ça, oh, sous pas accepter le vaudou, sous pas danser dans la boussale, ou pas le sodo, pas dans Saint-Anne, ou pas dans Saint-Antoine, sous pas faire dans vaudou ou pas haïtien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un monde qui dit un bagaille comme ça, c'est parce que mon nan son monde qui serré mentalement. Un monde qui pas assez élastique mentalement. Amen. Parce que le vaudou me montre, parce que la culture, c'est pas une graine bagaille que yon, mais la culture, c'est un ensemble des éléments
qui fait yon culture, c'est façon habillée, c'est littérature, c'est son manger, c'est gens parler, c'est gens comporter ou parfois, ou quand c'est distance qu'on kembe, tout ça fait partir de la culture. Alors si on moun ta dire que, puisque ou pas embrasser le vaudou, ou pas haïtien, ou rejeter culture, ou met dit moun sa, li menti. Intellectuellement parlant et mentalement parlant, moun sa, li menti. Amen. Amen. Parce que la culture, c'est un englobera de plusieurs éléments que vous avez. C'est une bonne bagaille que vous mettez ensemble, qui fait partir de la culture. Dans toute culture dans le monde, il y a des traits nuisibles qui ne peuvent pas glorifier bon Dieu. Eh bien, si il y a des traits nuisibles qui ne peuvent pas glorifier bon Dieu, eh bien, qui ça nous supposé faire? Nous supposé purifier tout genre de bagaille ça y est. Eh bien donc, on nous garde qui ça la Bible dit au sujet de la purification des éléments dans une culture. On nous garde dans 1 Pierre 1, verset 18 et 19. 1 Pierre 1, verset 18 et 19. On nous lit ensemble. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritier de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc la Bible montre nous que l'évangile est rentré, il est purifié. Péché au monde. La Bible dit que ça, le sang précieux de Christ, les rachetait nous de la vaine manière de vivre que nous t'ai hérité de nos pères, que nous t'ai hérité de anciens parents. Alors ici. Plusieurs fois, les a parlé, ils ont dit idolâtre, ils ont dit vanité. Dans le mot vanité, où est vain? En pile dans idole, ça, ce sont des vanités, des faux dieux, des éléments qui nuisibles à bon Dieu, bagaille que bon Dieu pas voulait. Amen. Eh bien, on nous garde plus loin ce mot vain. On nous lit dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 15. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 15. En s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces vaines choses pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alors pour vous mettre dans le contexte, parce que nous lions short party, vous songez que apôtre Paul et Silas, ils ont prêché, et pendant que apôtre Paul t'a prêché, et puis il fait un miracle, et puis pendant que il fait miracle là, pile nèg qui gardait, il y aurait pour faire miracle là, et puis il courut venu, il dit voici les dieux sont descendus du ciel, voici les dieux sont descendus du ciel. Et bien les apôtres Paul, ils remarquaient que monsieur est venu pour venir adorer, qui c'est apostasie. Et bien apôtre Paul criait en s'écriant, oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, vous exhortons à renoncer à ces 20 choses. 20 choses qui s'arrêtent. C'est faux Dieu que tu as adoré. Faux Dieu que tu as baillé gloire à eux-mêmes. Faux Dieu que tu as prosterné devant eux. Alors, dans la culture, par exemple, dans notre culture, dans la culture haïtienne, nous avons des traits, comme on t'a dit déjà. Nous avons des éléments qui ont besoin d'être purifiés. Il y a des bagailles, moi-même avec. Là, nous venons joindre Christ, que le sang de Jésus, les laver, les purifier, les nettoyer. Nous pas capables de retourner pour aller danser vaudou encore. Nous pas capables d'accepter. Parce que nous venons un monde nouveau. Amen. Nous venons un monde nouveau. Alors, le sang de Christ, le rentrer, il purifie nous et il purifie culture nous. Il purifie culture nous de toutes ces vaines choses, de toutes vieilles bagailles. L'évangile, le rentrer, il change et il change culture. Amen. Chers amis, ce qui veut dire, il n'est pas nécessaire pour moi-même avec pour nous. Si nous pas accepter certains éléments dans une culture, ça pas veut dire que moi-même avec nous pas sortir dans la culture ça.
OK? Ça ne veut dire que nous pas sortir dans la culture ça. Par exemple, ici dans les États-Unis, le racisme, c'est un trait qui est dans la culture américaine. Non? C'est un trait qui est dans la culture américaine, il est dans la mentalité de plusieurs personnes. Il est dans la mentalité de plusieurs personnes. Alors, ça ne veut dire pour son américain ou supposé raciste, pas du tout. Ni ça ne veut dire non plus, son pas raciste ou pas américain, pas du tout. C'est un trait qui besoin éliminer, c'est un trait qui besoin effacer, c'est un trait qui besoin purifier. Chers amis, pour conclure, moi j'ai trois points à faire au matin. Moi j'ai trois points à faire. Moi dis premièrement, nous parlons de la nature culturelle. Nous avons obstacles que nous sommes capables de joindre et moi dis dans obstacle ça yo, chaque obstacle qui présenté ou capable faire servir une bénédiction, gain des bénédictions cachées dans chaque obstacle qui présenté devant. C'est à vous même pour demander, bon Dieu, exactement qui je peux ouvrir les yeux spirituels ou pour la grâce qui est cachée en obstacle. Nous dit premièrement, la culture doit être acceptée. Nous dit deuxièmement, la culture doit être valorisée. Finalement, nous dit la culture doit être purifiée. Chers amis, aussi important que la culture capable, si bon Dieu pas utilisé nous, c'est comme si nous n'avons pas fait rien. Eh bien, je dis, hein, puisque nous sommes l'Église qui a une base multiculturelle, y a l'Église qui a répondu à cet appel d'aller à cette grande commission, d'aller de toucher d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres nations. Maintenant, nous pouvons prier, nous pouvons demander, bon Dieu, pour le bon, nous avons un cœur qui est ouvert pour nous accepter l'autre monde. Un cœur qui est ouvert pour nous capables de valoriser d'autres cultures et pour purifier. Pour nous accepter mon ange lié, si nous voulons toucher d'autres nations, nous supposons ouvrir l'esprit nous. Amen. Nous supposons ouvrir l'esprit nous. Et moi, je voulais faire songer que nous avons un réveil nous qui a commencé le 29 mars, si Dieu veut. Tout ça que nous avons parlé de la culture, de toucher d'autres nations, d'autres tribus, d'autres peuples, d'autres langues, eh bien, l'État capable de faire, c'est que nous pas exercer ça que nous faisons, ça que nous disons. Eh bien, nous avons encouragé, nous avons invité pendant la semaine de réveil multiculturel, ça que nous pourrions prêcher, nous avons invité pour inviter un monde qui pas parler la même langue avec nous. Il y a un monde qui pas assemblé avec vous, il y a un monde qui gagne une autre culture qui est différent de vous-même. Levez campé, nous pourrons prier. Seigneur, moi quoi aussi, bon Dieu, et moi quoi ou apprenez, moi quoi ou t'es mouru, et moi quoi reçu. Dis Seigneur, Seigneur, moi quoi aussi, bon Dieu, et moi quoi ou à, moi quoi ou t'es mouru, et moi quoi reçu, oui moi quoi, c'est mettre la vie à. Si prince la paix, oui, moi quoi, ou gain tout pouvoir. Et moi quoi, levez-moi. Oui, moi quoi, c'est mettre la vie. Et moi quoi, c'est prince la paix. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous remercions pour parole qu'on a nous. Nous remercions pour enseignement parole. Merci Seigneur, parce qu'on appelé nous au nom de Jésus, bon papa, pour nous apprendre à accepter une l'autre, à valoriser une l'autre
et quitter l'évangile, purifier la vie nous. Merci parce qu'on parle à cœur nous. Merci parce qu'on transforme nous. Merci parce qu'on change nous. Merci parce qu'on fait une peine dans l'autre monde. Nous prions pas parce que nous voulons nous dire, mais au nom de ton fils Jésus-Christ. Et moi quoi. Ou capable chita dans la présence de Dieu pour une minute. Premier bagaille que nous voulons faire, appel que nous voulons faire avant de terminer. Nous voulons faire, pendant tout mois, ça n'a parlé de importance pour nous garder yon moun, pour nous aller vers yon moun qui pas semblé avec nous. Moi avant, nous pas semblé à juifs. Raison qui fait nous gagner l'évangile, c'est parce que les premiers juifs, leur ont recevoir l'évangile, ils ont pas seulement prêché à d'autres juifs, ils ont prêché à d'autres personnes qui pas semblé. Donc, avec la lumière, avec le marteau de la parole, après pour nous craser mentalité ça, pour nous capable retourner à la mentalité biblique. Est-ce qu'on avait et royaume dans comme ça, capable grandir beaucoup plus. Est-ce que ça va? Donc, qui est très important. Mais matin, pendant que nous parlons de culture, nous parlons du fait que à culture capable purifier par l'évangile. La Bible dit, bon Dieu, par le sang de Christ, l'y rachetez-nous de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Gebagay nous gagne la culture, nous, c'est dans papa nous le sorti, dans maman nous, dans ancêtres nous, dans des salines. Gagne que t'es bon, mais gagne pas de bon tout. Est-ce qu'on avait même? Mais la Bible dit que Christ l'y rachetait nous de la même manière de vivre que nous héritons de nos pères. Si vous comprenez bien, gen bagay ou capable gagner dans la lignée familiale, gen bagay ou capable gagner dans la famille, gen trait ou capable gagner dans le caractère, maman ou te gagne, papa ou te gagne, grand-père ou te gagne, grand-mère ou te gagne. Mais le l'évangile entré, ou pas obligé de rester avec tempérament grand-père, grand-mère, tonton, moun nan katye ou moun nan zone. Le l'évangile entré, il pète toute chaîne. Ça. Est-ce que nous avons même? Mais songez, garde qui sa texte a dit, c'est le sang de Jésus qui fait ça. Ça veut dire, moi, avant pour venir dans l'autre monde, c'est Christ qui pour faire différence là. Grand monde qui te dit une fois, Dieu forme, l'école informe, l'État réforme, mais Christ transforme. Il n'y a que Christ qui puisse transformer l'homme. Donc, avant de terminer sous là, ou pour que j'aime bien Jésus la vie, ou, avant de bien bénédiction, minute ça appartenir à vous-même. Quel que soit côté où il y a, sous sens où dit, il y a dans la vie, je ne sens pas droite. Il y a dans la vie, je suis hérité de parents, je besoin pour changer. Eh bien, le sang de Christ capable libéraux de bagasse au matin. N'a pas chanté ça une toute dernière fois. Oui, moi, quoi, c'est mettre la vie. Et moi, quoi, c'est prince la paix. Oui, moi, quoi, on a tout pouvoir. Et moi, quoi, on a régner. Pendant n'a pas chanté ça, sous ces youn qui t'a aimé faire ça, levez-moi, on a très content pour nous prier avec vous. Alléluia. Et moi, quoi? Oui, moi quoi, oui, moi quoi, oh, c'est mer. Et moi quoi, oui, moi quoi, et moi quoi, oh, moi quoi, oui, moi quoi, et moi quoi. Oui, moi quoi, oui, moi quoi. Et moi quoi. Une dernière fois, oh, moi quoi. Et moi quoi.
Et moi quoi? Maintenant, dimanche dernier, nous avons rendez-vous vendredi soir, premier vendredi du mois. C'est généralement l'heure que nous gagnons rendez-vous avant pour supporter Radio Shekina, parce que les gagnants dépensent les qui sont différents de dépenses l'église là. Nous toujours gagnons rendez-vous avant pour ça. Nous avons rendez-vous pour dimanche ça. Nous toujours encourager des personnes, comme nous dit, l'un des milliers de dollars par mois et n'a pas continué à grandir toujours. Donc, nous t'encourager, nous encourager chaque grain de monde. Mettez 100 dollars par mois. Moun sa une réunion des centeniers. 100 dollars par mois, qu'elle directement, qu'elle aide avec dépenses radio à soutenir toutes différentes dépenses que nous avons gagnées. Donc, généralement, nous faisons ça dans Shekinah Night, puisque nous n'avons pas gagné année ça. Moi, ça, nous t'ayez, ou bien nous pas de gain, disons, semaine dernière, semaine qui s'est passée. Donc, nous, t'es bon rendez-vous pour aujourd'hui. Donc, nous avons encouragé, ou même qui est capable là, camper avec 100 dollars, avec Radio Shekina. Si vous pas capable d'aller, au moins aller avec 50 dollars. Mais nous avons demandé, s'il vous plaît, pas aller avec 1 dollar. Là, nous gagnons des dépenses 15, 20 000 dollars. Et de temps en temps, il y a monté. N'a expend nous en Haïti kounia tout bagage ça signifie que qu'il y a des dépenses qu'a fait pour nous capable permettre que radio a continuer grandir donc comme on te dit nous expend nous au cap nous rentrer sur Port-au-Prince nous rentrer sur dans toute zone nord là ça veut dire pour tout bagage ça fait ou qu'on est en Haïti il y a pas d'énergie il y a toute qualité de bagage ça veut dire son paquet de dépenses qui sont faites dans moi qui saute passé là rien que pour radio capable continuer avancer. Donc c'est ça qui fait nous encourager. Donc fait le meilleur de nous-mêmes pendant que nous allons chanter ça encore, ou va faire le meilleur de nous-mêmes. N'a mado ou avin poté offrande devant pour Radio Shekina. I'm going to ask somebody if you guys would stand in the front. Ou avin poté offrande spéciale qui va aller directement pour Radio Shekina. Ça va aller directement pour Radio Shekina. Maintenant, pendant qu'on a préparé, si vous avez écrit chèque, écrit à l'ordre de Radio Télé Shekina. Radio Télé Shekina. Si vous avez fait debit card, ou capable de payer par debit card également. Et ça, vous êtes capable d'aider. Maintenant, dernier bagage que nous voulons dire. Pendant qu'on a préparé, dimanche Pâques, si Dieu le veut. Dimanche Pâques, si Dieu le veut. N'a pas gagné. Au lieu de nous faire service yo, là, nous faisons dans North Miami Senior High School. À cause de, généralement, dimanche Pâques, nous connaissons un pile monde qui vient de l'église et nous avons une limitation de nombre de monde que nous avons là. Donc, nous faisons dans North Miami Senior High School. Tant que nous allons gagner, l'un allons gagner chez Cana Night YouTube, donc nous allons obliger. Exactement faire l'autre côté tout parce que nous limitons le nombre de personnes que nous sommes capables de faire. Donc, n'a pas plus de détails dimanche prochain, si Dieu le veut, ou bien plus de détails sur leur service. Mais dimanche Pâques, n'a pas dans North Miami Senior High School, ça veut dire n'a pas deux services, n'a pas combiné services, n'a pas deux grands services le matin, et puis l'après-midi, nous connaissons le pasteur Benny Hinn qui a fermé pour nous. Donc, le pasteur Benny Hinn vini, n'a tout recevoir dans North Miami Senior High parce que nous n'avons pas recevoir là. Dimanche prochain, si Dieu le veut, n'a pas de plus amples informations au sujet de ça. Ça va? L'autre bagage, nous songez, nous avons rendez-vous avant ou même qu'on prend Bricou, nous dit c'est deuxième saison de Bricou, nous dit c'est deuxième phase de bénédiction, deuxième Bricou ou même qui Poco prend Bricou. Do we have those envelopes available here? Okay, a building fund envelope. Notez dit comme ça que moun ka va lever ka bay ce sont des mémorial. Notez dit comme ça dans l'église ça ka bâti ka coûter des millions de dollars, ça ka coûter des millions de dollars. Donc c'est pas que nous toutes mettez main nous ensemble et bien ça capable yon réalité. Donc, nous dit tout le monde qui dit comme ça, m'a bail 2 000 dollars ou plus vers projet building ça,
eh bien nous te dit comme ça, ça va arrêter comme un mémorial, non seulement ou même, ou bien ou qu'a choisi nos familles, nos petits tout, etc. Ou qu'a prendre sous quel que soit Jean Couvlé. Donc ou même qui peut prendre une enveloppe, pendant que nous avons pour une offrande spéciale pour Chekina, ou même qui peut prendre enveloppe, eh bien tout vient devant, vient prendre enveloppe. Nous prions. I don't think, did I pray on those ones? Were those ones the ones that I had prayed on? Okay, we already prayed on them. M'kwe que pagé moun kap kampe pou l'œuvre de Dieu, pou le travail de Dieu, pagé moun kap fè sacrifice pou bon Dieu, ou même lors d'une situation de crise, pou kampe pou bon Dieu pa kampe pou. La kampe pou. C'est pas ça? La kampe pou, m'garantou de ça, au nom de Jésus. Donc, pendant la fè ça, vin devant, vin pran enveloppe ou, vin devant, vin pote offrande au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, bénis encore enveloppe sa yo, bénis offrande sa yo, chaque monde qui vin pote yo, bénis kayo, bénis famille yo, bénis tout sa yo touché, bénis tout côté aller, que meilleur capable prospérer dans tout ça y a fait au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, moi quoi, que tout nous met avancé. Et moi quoi? Oui moi quoi? Oui moi. Ou mettre poté offrande ou même qu'a poté offrande chez Kina? Oui moi quoi? Et moi quoi? Oh moi quoi? Oui moi quoi? Et moi quoi? Oui, moi quoi? Ou même captant de la radio, ou capable de relayer 786 505 1580. Oui, moi quoi? Et moi quoi? Oui, moi quoi? Oui, moi quoi? Levez cap et soupir. Et moi quoi ou a régné. Et moi quoi ou a régné. Et moi quoi ou a régné. Et moi quoi ou a. Levez mon allée pour recevoir bénédiction. Que le Seigneur vous garde. Que l'Éternel nous dirige. Que l'Éternel nous protège. Que l'Éternel vous bénisse. Que maintenant que la paix et la grâce, la douce et intime communion de cet esprit soit et demeure sur chacun de nous, dès à présent et éternellement. Amen. Allez en paix. Gloire 24 sur 24 à travers les ondes de la radio Shekina. Pour capable écouter nous ou capable seulement aller sur www.radioshekina.fm.